siamo tutti antifascisti. Macron, où ça? Terminé, on ne fait rien. 2021, 2022, 2023, nous serons toujours là. Les saloperies bas, nous restons. Pourquoi tu es sur Strasbourg aujourd'hui? Parce que vous êtes venus les frères. Tous ensemble, on va plus fort, on va plus loin. Nous sommes des déterminés, on ne fait rien. 2021, 2022, 2023, nous serons toujours là. Les saloperies bas, nous restons, parce qu'on n'est pas des saloperies. Hein, tu peux nous dire pourquoi tu as ton accoutrement d'Indien en fait? Pourquoi tu es déguisé en Indien? Je ne suis pas déguisé mon frère, je suis costumé. Costumé, c'est rentrer dans le personnage d'un Indien. Parce que les Indiens, ils avaient des modes de vie où on
qu'on a beaucoup à apprendre, nous autres, les gens, soi-disant civilisés. Les Indiens ne connaissaient pas le vol ni le viol. Ils prélevaient un bison pour manger et ne tuaient pas des sangliers pour s'amuser. C'était des gens bien, comme toi, comme moi, mon frère. Macron, il fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste de terrain pour sauver le pays. Macron, il fait la guerre et sa police aussi. Police aussi. Mais on reste de terrain pour sauver le pays. Sauver le pays. Il s'est passé quoi? Rien, je lui demande parce que je dois aller en ville. Par où je dois aller? Il m'a même pas répondu. J'aurais dû me répondre. Vous prenez là, vous prenez là. Retournez derrière. C'est quoi là? C'est une manifestation contre la loi sécurité globale et le séparatisme. Oui, bah oui, j'aimerais bien y aller aussi, mais bon, je savais pas. D'accord. Ça arrive. Il y en a une le 16, si vous voulez. Contre, oui, parce que c'est pareil. Contre la loi sécurité globale aussi également, contre le séparatisme, il y a une manifestation donc organisée le 16, place Kléber. Contre tous ces gens-là? Pardon? Contre tous les gens pas possibles? Ouais, c'est ça. Oui, oui, je suis d'accord. Mais je voulais mettre ma voiture en ville. La milice au fond du vent, la milice au fond du vent, la milice où ça, la milice où ça, la milice au fond du vent. Tu peux nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui? Oui, moi pourquoi je suis là? Parce que c'est un petit peu mon devoir d'activiste d'être là ici, de défendre tout ce qu'ils essayent de nous grignoter comme liberté, de préserver nos droits, nos acquis sociaux, ceux qui font vraiment on va dire, la fierté de la France. Ouais. Et donc, faut être là. T'es là depuis le début, c'est vrai qu'on voit une paire d'actes en fait, des gilets jaunes. Ouais. Tu les as toutes faites? Comment? Tu as fait toutes les manifestations? Ouais, chaque barre rouge, c'est un samedi. Un samedi de manifestation, tu vois. D'accord. Et les autres jours, des fois, ben, j'allais au rond-point. Voilà. C'est de quel secteur, en fait, et de quel rond-point? Une poubelle à côté de toi. Alors, moi, de quel secteur je viens? Je viens du Haut-Rhin, Kingersheim, au Caligone. Où ça? De la ville de Kingersheim, au Caligone. C'est le rond-point du Caligone. D'accord. Voilà. Qui est encore tenu ou pas? Oui, c'est encore tenu, oui. Même s'il n'y a plus de cabane, il y a quand même des personnes qui ont cette fibre activiste de se montrer à la population, tu vois. Et voilà, on pose nos chaises, puis on est devant le rond-point, et puis il y a des gilets jaunes. Voilà, depuis 2 ans, ils ne sont pas abandonnés, eux. Voilà. D'accord. Bah, je te remercie. On reste des terres pour sauver le pays. En bas, les terres, les flics et les fachos. En bas, les terres, les flics et les fachos. En bas, les terres, les flics et les fachos. Parce qu'ils font partie du peuple. Pour le moment, ils font encore partie du peuple. Alors arrêtez d'être les chiens du gouvernement. Patriarcat.
sociale contre le capital. Nous sommes en guerre sociale contre le capital. Nous sommes en guerre sociale contre le capital. Niquez les cochons, on veut pas, mais pas, mais niquez les cochons, on veut pas, mais pas, mais niquez les cochons, on veut pas, mais pas, mais niquez les cochons. Oh, my God.
Alors,
bat quand même pas nous. On est là, on est là, on est là. Même si notre mère n'est pas nous, on est là. Mais comme lors de la dernière manifestation, on va s'arrêter à la place de la Bourse, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de se faire gazer. Voilà. Donc, on s'arrête, place de la Bourse. On se croûte immédiatement dans la place de l'Étoile. Il n'y a pas de biais. Monsieur, pas de biais. Monsieur, monsieur, on n'est pas violent. On va pas vous rentrer dedans. On n'est pas violent. On n'est pas la police. Il n'y a pas de souci, on va. Ok, il m'a dit après. Mais notre itinéraire est instauré. On n'a pas le droit de choisir notre itinéraire. Non, il est imposé. Mais oui, il est imposé. Mais c'est pas légal. Monsieur, pourquoi c'est imposé? Pourquoi c'est imposé? On veut juste manifester comme on a le droit. On n'a pas le droit, monsieur. On n'est pas violent, ça on sert à rien, on n'est pas violent, on n'ira pas avec la porte. Messieurs, on vous demande de reculer. Ce qu'on veut, c'est manifester là où on veut. Mais parce que c'est instauré. Non, non, là-bas, je suis pas avec vous. Mais police nationale, nous vous demandons de retirer immédiatement sur la place de l'Étoile, vous êtes sortis de l'itinéraire déclaré. Et on voudrait bien que ce soit déclaré là où on veut. Au moins au centre-ville, s'il vous plaît. On n'est pas des merdes, je sais pas, on a le droit de manifester là où on veut. Normalement, c'est dans la constitution. Bref, normalement. Je sais pas, enfin. Et dans les droits de l'homme, normalement, on a le droit de ne pas déclarer, alors que c'est déclaré. Donc on est de bonne foi, je sais pas. On n'a attaqué personne. Pas de policiers ni de gendarmes. Et ça sera pas. Tout ce qu'on veut, c'est manifester là où on veut. Mais là où vous voulez, mais on veut pas manifester là où vous voulez. On veut manifester là où on veut. Il y a des mortiers, aucun coup de mortier atterrit chez vous. Pourquoi il y a des mortiers et ça atterrit pas chez vous? C'est pas pour rien les gars. C'est parce qu'on n'est pas violent envers vous. La police déteste tout le monde. Et la police déteste tout le monde. Et la police déteste tout le monde. Et la police déteste tout le monde. La police déteste tout le monde. Police nationale, troisième annonce, nous vous demandons de retourner sur le parc de l'Étoile. Vous êtes sorti dans l'itinéraire déclaré de la manifestation. Vous nous encadrez. Vas-y. Vous encadrez, il n'y a pas de soucis. Vous ne soyez pas violents, on n'est pas violents. Ah, les collègues de la police, franchement, on se voit humain qui nous fait là. On prend les valeurs humaines dans les valeurs humaines. Vous êtes pas manipulé, vous. Ah, bon, ça retient juste ces dates, je vais dire.